Urvalon, chère vasseur, lumière, passion, cotation, chaque jour, nouvelle leçon. Rythme de la bourse, battement d'action, là où il y a de l'action, invest sur votre estimation. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui le CAC 40 remonte, hein. Hier vous avez vu ça avait chuté, moins 0,70. Et là on est sur une petite hausse. Alors sur pareil, hein, qu'est-ce qu'il faut faire actuellement sur les marchés? C'est compliqué vu que là on est encore en période législative, on attend. Surtout que là, ce week-end on n'aura rien de nouveau vu que les élections c'est la semaine d'après. Donc là, moi sur les positions que j'ai prises dernièrement, je suis en plus-value maintenant. Hein, je pense au Vinci, du coup 7h du standing, mais hier là je suis en légère plus-value. Là aujourd'hui on a eu un gros effondrement sur BIC qui ont décidé de faire un profit warning maintenant. C'était peut-être pas le meilleur des moments vu que c'est assez compliqué. Donc elle a perdu quasiment moins 15 au début et là on remonte progressivement. Hein, on voit qu'à chaque fois quand même les dossiers, même quand ils font des profit warning ou qu'il y a des soucis, rappelez-vous Carrefour, ça remonte quand même un petit peu à chaque fois. Le marché veut toujours, il y a toujours une espèce d'espoir. Il me semble que c'est aujourd'hui qu'on a le fonds monétaire américain là qui vont parler. Hein, donc on pourrait avoir des informations, hein, nouvelles qui pourraient faire soit monter le marché, soit faire chuter de nouveau le marché. Hein, aux États-Unis ça va plutôt bien, hein, comme je vous ai fait la vidéo hier, Nvidia est à des plus hauts historiques, les valeurs tech ça cartonne. Pour l'instant, tout va bien. Donc là, on va voir ces histoires de taux. Hein, et puis, pour l'instant, en fait, vous le savez, hein, ils ont dit qu'ils allaient abaisser seulement une fois. La question, c'est quand est-ce qu'ils vont le faire, hein. Après, entre parenthèses, nous, on l'a fait. Ça n'a pas fait grand-chose. Hein. Ça fait même plutôt chuter les marchés. Mais c'est autre chose, hein, qui les a fait chuter, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est bien sûr la dissolution, hein, de Emmanuel Macron. Donc voilà pour la journée d'aujourd'hui. Qui pour l'instant est plutôt pas mal, hein. Moi je fais moins bien que le CAC 40 malheureusement, alors en ce moment j'enchaîne un peu les moins bien. Bon déjà j'ai toujours un petit BX4 toujours, je le garde quand même parce qu'il y a les élections qui arrivent, donc si ça rechute de nouveau, eh ben j'aurai toujours mon BX4. La question c'est garder certaines positions. Vinci je vais la garder, c'est clair et net, j'ai 1000€ dessus. Après il y en a certaines, il faudra peut-être que j'ai décide alléger, je pense à Téléperformance par exemple, mais j'aimerais bien une belle hausse bien violente sur Téléperformance pour alléger. Hein, j'aimerais bien un plus 10, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un plus 10 sur cette valeur qui est complètement à la rue? Là on est à 101-102€, moi j'ai un PRU à 117, hein, donc je suis encore en grosse moins-value, mais j'aimerais bien à un moment donné qu'il y ait une petite news là, qui te la fasse monter, moi j'en sais rien, tu sais, l'inverse d'un profit warning quoi, finalement qu'ils te disent ben, on va faire mieux que prévu finalement les amis, et ça ce serait cool. Ça, ce serait cool, mais visiblement, ça n'arrive pas. Hein. Donc, je croise les doigts pour qu'on n'ait pas un profit warning sur la société, parce que là, ce serait une cata. Mais c'est vrai que je joue un peu avec le feu, avec cette valeur, parce que... Pourquoi je joue avec le feu? Parce que je l'aime pas plus que ça. Je trouve que ça peut être défensif, même si elle n'a pas été dernièrement. Mais le problème, c'est que je suis en grosse moins-value et je sais pas trop sur quoi aller actuellement. Alors, je suis allé sur Vinci, hein, où j'ai 1000€ dessus. Après augmenter la position sur Vinci, je sais pas. Après il y a Alstom, c'est vrai que moi je pense que je ferai certainement un switch avec Alstom, je trouve très intéressante Alstom. J'essaierai de vous faire une vidéo où je vous expliquerai un peu plus le truc en détail sur Alstom, parce que beaucoup de gens me posent la question, me disent que c'est de la merde tout ça. Il faudra que je me pose, pas les trucs à la plage, des trucs vraiment posés avec des chiffres, des choses comme ça. Voilà, bon, sur ce, moi je vous laisse, je ferai un live tout à l'heure pour faire un peu le point sur les marchés. Bon investissement à tous, bon trade, ciao ciao.